Alors, d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir pensé à nous et nous interroger en tant que des hommes de l'ombre. Donc, pour préparer le match contre l'Algérie, nous comptons sur une bonne récupération de nos joueurs. Les stratégies que nous avons mises en place pour assurer la bonne récupération de nos joueurs, c'est basé sur la prise en charge des petites blessures, mais également la bonne récupération passe par également un bon sommeil. Donc nos joueurs, nous sommes en train de mener une stratégie pour qu'ils puissent bien se reposer, bien se préparer physiquement en vue de faire face à l'équipe d'Algérie. Et pour ça, nous n'avons aucun doute qu'ils vont avoir toute l'énergie nécessaire pour y faire face. Nous n'avons pas de blessés graves qui va nous empêcher d'aller contre cette équipe d'Algérie. Les soins sont en train d'être assurés. Une belle équipe de kinésithérapie qui est en train d'assurer un massage de récupération complète. Et puis, pour la prise en charge énergétique, c'est juste quelques multivitamines. Au vu des séances de dopage, nous n'hésitons pas, on ne donne pas des produits dopants à nos joueurs. C'est juste la récupération par le sommeil et la bonne nutrition. Et pour le numéro 5, Abdoul Nasser, qui a quitté le terrain hier à cause d'une blessure. Oui, Abdoul Nasser a quitté le terrain hier juste parce qu'il a eu un trauma crânien qui est mineur. À l'examen direct, il n'y a pas eu de commotion cérébrale. Donc l'examen clinique sur le terrain est normal et un scanner cervico-cérébral réalisé également était revenu normal. Ce matin, cliniquement, il va très bien, il ne vomit pas, juste des petites céphalées. On l'a évalué avec le médecin de la CAF que nous avons mis en copie par rapport à l'examen clinique parce que c'est obligatoire de mettre en copie la commission médicale de la CAF. Donc nous les avons fait comprendre qu'en réalité, il n'y a rien de grave. Donc c'est vraiment un petit trauma mineur. On l'espère très bien. On l'espère très bien. De demain, Inch'Allah, si tout est remis en place, il va commencer son entraînement dès demain, Inch'Allah. L'Algérie a joué le vendredi, vous avez joué le samedi. Est-ce que vous voyez que 24 heures... Oui, nos hommes, de toutes les façons, nous, le fait qu'on n'ait pas de blessés et qu'on n'a pas de lésions graves, c'est vraiment un atout pour nous. Parce que ce qui va nous handicaper, c'est vraiment les blessures et les lésions graves. Nous n'avons pas de blessures graves ni de lésions graves. Le petit contexte de Abdoul Nasser, vraiment, c'est un fait divers. Nous, on pense qu'avec les soins non en train de lui prodiguer, va lui permettre de se mettre en jambes et de pouvoir répondre à la compétition dès demain. Vous ne faites pas de déplacement, contrairement à l'Algérie qui a choisi de faire le déplacement 24 heures avant le match. Oui, ça, c'est un atout pour l'équipe. C'est un grand avantage pour nous parce que nous n'allons pas nous déplacer. Le fait de se déplacer, effectivement, ça gêne un peu. Il faut aller s'installer. Donc, tu vois, tout ça là, ça fait fatiguer les joueurs. Donc, le fait qu'on soit sur place, vraiment, c'est un atout pour nous. Merci. Bon courage. Merci à vous. Niger a amené avec un spécialiste de l'arbitrage. On ne trouve pas ça dans toutes les équipes. Est-ce qu'on peut savoir votre fonction, votre travail et votre équipe au sein de l'équipe Niger? Ok, merci beaucoup. Et permettez-moi d'abord de remercier la presse algérienne pour tout l'intérêt que vous apportez aux activités que le MENA du Niger est en train de mener. C'est vrai, il n'est pas donné à tous les pays de faire venir un instructeur ou un arbitre pour accompagner les joueurs. Mais ici au Niger, nous l'avons choisi parce que nous sommes en train de venir dans une grande compétition. Et pour éviter que les joueurs prennent des cartons injustifiés, des cartons qui n'ont pas de sens, nous avons opté pour qu'un instructeur des arbitres accompagne l'équipe afin d'édifier les joueurs sur la gestion, comment jouer, comment éviter les cartons dans la mesure du possible. La préparation mentale aussi Oui, la préparation mentale et nous participons aussi auprès des coachs pour donner des conseils mentalement. Nous attirons l'attention sur comment jouer,
on peut jouer avec intense, on peut jouer avec force, mais sans agressivité, sans pour autant être méchant, sans pour autant être brutal. Surtout que c'est la première fois que la VAR a été utilisée dans tous les matchs de compétition de Coupe du Monde. Oui, exact. C'est une première pour les joueurs du Niger, de l'Algérie, du championnat, des championnats locaux. Oui, c'est une première pour les joueurs, mais pas une première pour les instructeurs et les arbitres de haut niveau du Niger. Parce qu'il y a des arbitres qui ont été formés par rapport à la VAR et des instructeurs aussi du Niger qui sont formés à la VAR. Et effectivement, dès que nous étions arrivés, quand on nous a fait comprendre qu'il y a la VAR, nous avons tenu des séances d'animation pour les informer par rapport à la VAR. Donc ça nous a beaucoup facilité le travail. Et je pense que nous allons aller de l'avant. Les joueurs sont en train de comprendre et ils prennent la mesure de la chose pour éviter de prendre beaucoup de cartons. La preuve, dans tous nos matchs, nous avons à peine un carton, deux cartons. Il a fallu hier seulement que nous avons pris trois cartons. Et ça, nous allons encore parler. Nous avons travaillé sur le mental des joueurs pour que nous ayons moins de cartons jaunes. Et pour l'arbitre, tu as déjà désigné l'arbitre Algérie-Niger en demi-finale ou pas encore? Non, ça, je n'ai pas cette information pour le moment. Oui. Okay. Merci. Merci.